Alléluia. Donnez-moi l'hymne national. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Oubliez la personne qui est à votre côté. Connectez-vous dans les networks où tout est possible. Alléluia. Holy, holy,
élève ta voix, commence à louer. Dis-lui quelque chose ce soir. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est ici. Alléluia, 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 alléluia. Rebaka shakata raba. Alléluia, 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 alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui est le puissant de Jacob. L'oméga et alpha. Alléluia, alléluia. Rebaka shekete. Hey, yaka shaka tarabaka. Hey, yabaka shaka rabaka shekete. Hey, yokoto rebe yakata. Rekete yika. Rabaka shakata. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, pousse, pousse, alléluia, 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 alléluia. Nous acclamons le Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Ce soir, c'est ce soir, alléluia. C'est la soirée de ton miracle ce soir. Aujourd'hui, tu vas enfanter. Si tu refuses d'enfanter sur la voie normale, même par césarienne ce soir, nous te ferons enfanter. Alléluia. Avant de s'asseoir, regarde à ton voisin, tu lui dis, tu as une bonne mine par rapport à la fois dernière que je t'ai vu. Merci. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Êtes-vous content d'être là ce soir? Comme vous me voyez là, je suis... I'm loaded. Donc, alléluia. Amen. Rapidement, j'ai amené quelques produits. Je n'ai pas amené assez parce que je sais que la fois passée, j'avais amené... Il y en a encore, non? Ce que j'avais amené. Le CD et le DVD. Mes livres, je devais amener les livres, mais c'est la faute de l'apôtre. Amen. Ça, c'est le DVD. Ça s'appelle The Sand of Heaven. En fait, ça, c'est ma femme. Il y a beaucoup de jaloux dans cet endroit. Chaque fois quand je pense à la beauté, je vois ma femme. Ah, même si tu boudes, c'est ton problème. Dites à ton voisin, mais tu boudes pourquoi? Amen. Ça c'est un concert qu'on a fait en Australie, à Melbourne. La chose la plus... excellente pour ce concert. On a fait ça à un endroit qui s'appelle Crown Casino. C'est ça ici, Crown Casino. Crown Casino, c'est l'équivalence de Las Vegas aux États-Unis. Donc, depuis que l'Australie existe et depuis qu'on a créé le Crown Casino, il n'y a eu jamais une activité chrétienne là-bas. Donc, nous, on était les premiers d'amener la lumière dans le ténèbre. Alléluia. Et ce qui est bizarre, pendant qu'on préparait le concert, Dieu me dit, tu vas faire l'appel afin que les gens puissent accepter le Seigneur. Jésus a dit, est-ce que, are you okay? Ça, ce n'est pas une église. C'est Crown Casino. Comment je peux faire l'appel? J'ai dit, I'm in business. Bon, si vous achetez les DVD, vous allez voir ça. Vous savez, quand Dieu te demande quelque chose, mais toi-même tu boudes. Hein? Mais malgré toi, tu regardes la salle pleine de païens. Et ce n'est pas un conseil. Donc... Mais malgré toi, tu fais l'appel. Et à ta grande surprise, les gens s'élèvent pour recevoir le Seigneur. Ça, je vais donner à la Providence comme copie. C'est la Providence. Hein? Venez prendre... Je ne sais pas comment vous allez diviser ça.
Vous avez le DVD et le CD. Bon, pour les autres, si vous allez sur YouTube, vous tapez Billy Olela, il y a beaucoup de vidéos là-bas. Alléluia. Dites à ton voisin que le pasteur, là, il parlait bien le français. Dites à ton voisin. S'il met les laits à la place de là, comprenez bien, c'est mal son émotion. Amen. Donc, dans ma vie, je suis arrivé à la croisée du chemin. Si je commence à parler l'anglais maintenant, là, vous tous, vous serez impressionnés. Mais quand je parle l'anglais chez moi à la maison, mes enfants me regardent, il faut apprendre l'anglais. Donc, je ne sais pas quoi parler, mais hein, moi, je suis convaincu que je parle l'anglais. Alléluia. Et vous êtes là ce soir. Hier, le pasteur Saken a brûlé toute la forêt. Acclamons l'homme de Dieu. Il a fait un grand travail. Alléluia. Et nous bénissons la présence des hommes de Dieu. Ce sont les gens difficiles à réunir, plus que le président. Pour réunir même 10 serviteurs à un endroit. Ah! Tu as une grâce. Je ne sais pas comment tu fais ça. Alléluia. Merci pour votre présence. Nous sommes honorés. Je suis honoré de voir les grands évangélistes Sonny, pasteur Aimé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Prie que Dieu te parle. Nous ne sommes pas venus nous voir. Nous sommes venus pour un rendez-vous divin. Prions. Je t'entends pas. Alléluia. Prions. Alléluia. Makoto Boucheketi. Yakaraba Shekerebeke. Alléluia. Père, nous te disons merci ce soir pour l'opportunité, Seigneur, d'être à ta table. Saint-Esprit, bouge comme toi seul tu sais bouger. Je recule ce soir, toi avance. Aide-moi à aider ton peuple. Nul n'est besoin que mon nom soit glorifié en ce lieu. Mais c'est vraiment très important que le nom seul de Jésus soit glorifié en ce lieu. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu en ces lieux. Nous te disons merci. Donne-nous une onction qui rend l'enseignement facile. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. You know, you need to talk to me. You talk to me. Amen. Encore une fois, un grand merci à l'apôtre Douglas et maman Lydie, Pastor Junior, Juju, Teddy, l'équipe pastorale pour l'invitation. Nous sommes bénis d'être là. Et comme je vous avais dit, je crois, mercredi, je fais 22 heures de vol pour être ici. Donc cela veut dire que je ne suis pas venu pour blaguer avec vous. Donc je suis venu faire le business. Alléluia. Et ta vie va changer ce soir. Et il faut comprendre, je ne parle pas pour t'impressionner. Ta vie changera ce soir. Et si tu n'es pas sauvé, tu seras sauvé ce soir. Amen. Le temps et les défis de l'enfantement. Je crois mercredi, on avait commencé, on parlait sur Job, qui se rappelle du message de jeudi. On parlait de Job, je vous ai dit que très souvent, quand nous lisons la constitution que vous appelez la Bible, on dit que le diable a attaqué Job. Mais quand il lit la constitution attentivement, tu vas comprendre que non, c'est faux. C'est Dieu qui a suggéré Job. Alléluia. Le diable était innocent. Quelqu'un dit le diable est innocent. Le diable était innocent. La conscience dit que le diable se promenait et il vient. Dieu dit, mais tu viens d'où? Il dit, non, je viens de me promener. Alors c'est Dieu qui a commencé la conversation. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job?
Donc, le diable n'a pas attaqué Job, c'est Dieu qui a suggéré Job. Alléluia. Et puis, nous avons dit que la vie chrétienne, tu ne peux pas dissocier la vie chrétienne avec la tribulation. Très souvent, avec les campagnes évangéliques, on dit, non, viens au Seigneur, tu seras sauvé, ta vie va changer, tu vas te marier, tu vas aller en Kuala Lumpur. Entre guillemets, c'est vrai. Mais la vérité est que quand tu es sauvé, tu deviens automatiquement l'adversaire de l'ennemi. Donc tu dois comprendre que l'ennemi ne viendra pas avec un tapis rouge pour te mettre que toi tu marches. Non, non, non. Bien-aimé, dans ta vie chrétienne, si tu réalises que non, il n'y a pas d'opposition. Tout marche dans les tralala. Cela veut dire que le diable est ton passager. Talk to me somebody. Cela veut dire toi et le diable, vous êtes en train de voyager dans la même direction. Mais dès que tu tournes, tu dis que Jésus est mon Seigneur. Cela veut dire tu dis au diable, diable, si je t'attrape dans mon couloir, tu auras des difficultés. Le diable aussi te dit, si je t'attrape dans mon couloir, toi aussi tu auras des difficultés. Donc vous devenez des ennemis. Vous devez comprendre cela. Donc, tu ne peux pas dissocier la vie chrétienne avec les tribulations. Jésus lui-même dit dans Jean 16, 33, il dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Il a dit, mais prenez courage, car je vaincus le monde. Alléluia. Donc, les tribulations, ça fait partie des packages, ça fait partie du paquet. Donc, ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Ce soir, je suis venu répondre à tes préoccupations et à tes questions. Alléluia. Parce que très souvent, on se pose des questions. Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce que dans cette ville de France, ce pays de France, il n'y a que moi que le diable voit? Non, il n'y a pas que toi. Alléluia. Un jeune homme PDG, il venait pour remplacer un vieux PDG. Et puis, il est parti voir les vieux. Il a dit, mais vieux, quel est le secret de ton succès? Tu as travaillé, tu as réussi, il y a du succès. C'est quoi ton secret? Le vieux, il regarde le petit. Il dit, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Alors le petit, il réfléchit. Il dit, monsieur, comment tu as acquis l'expérience? Le vieux regarde le petit et dit, des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Alors le petit réfléchit un peu. Il dit, monsieur, comment tu es arrivé à prendre de bonnes décisions dans ta vie? Le vieux regarde le petit, il dit, des mauvaises décisions. Acclamez le Seigneur. Donc ce soir, chacun de nous a une expérience. Alléluia. Chacun de nous a une expérience. Vous devez comprendre que non, la vie chrétienne, ce n'est pas pour les faiblards. Tu dois être dur pour être chrétien. Tu dois être, you know, mature. L'autre fois, Pasteur Junior partageait, dit, ça devient même compliqué dans le corps du Christ pour témoigner. On ne sait plus témoigner. Oh, la constitution dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Maintenant, il y a difficile de témoigner. Quand tu témoignes, c'est le mardi, il est vantard. Laissez-nous tranquilles, nous allons témoigner. Come on, talk to me, Saba. Nous allons témoigner. Tu ne peux pas m'arrêter pour témoigner la gloire de Dieu. D'ailleurs, moi, quand je témoigne pas pour t'impressionner. Moi, quand je témoigne, c'est parce que j'avais promis au diable. Parce que j'avais promis au diable. J'ai dit, diable, j'étais tranquille dans mes histoires. Tu es venu commencer ça. Alors, comme toi, tu es venu commencer ceci, c'est moi, avec Dieu, nous allons terminer cela.
Et quand nous allons terminer cela, je vais témoigner. Et le monde saura que tu es un loser. Alléluia. C'est pour cela que nous témoignons la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, enfanté. Je crois, 2 ans passés, j'étais en Afrique du Sud. Un ami est venu me voir. Ils sont partis au restaurant. C'est un ami que on avait passé des moments difficiles en Afrique du Sud. Et pendant qu'on mangeait, on se rappelait tout de tous les moments qu'on traversait, tout ça, et comment Dieu a été bon pour nous. Vous savez, j'ai beaucoup étudié la théologie, tout ça, tout ça. J'ai beaucoup étudié. Mais l'ami là, il a dit une phrase qui a réduit toutes mes études à une seule phrase. Pendant qu'on mangeait, il me regarde et me dit, pasteur, le monde que tu vois là, c'est l'affaire de Dieu et de son fils. Point barre. Cette phrase m'a cogné comme une perquite. Pendant qu'on mangeait, j'ai dit, donc, il m'a dit, c'est la coopération de Dieu et de son fils. Point barre. Quand on a fini de manger, je suis rentré dans mon hôtel. Cette phrase. Alors j'ai compris, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa propre gloire. D'ailleurs, c'est ce que j'essayais de vous expliquer mercredi quand je disais l'orgueil. Donc, c'est cela. Donc Dieu aime tellement se glorifier. Dieu t'a sauvé, donc pas pour toi. Dieu t'a sauvé pour lui. Alléluia. Dieu ne te bénit pas pour toi. Dieu te bénit pour lui. Parce que Dieu aime tellement la gloire. Dieu aime tellement se glorifier. C'est pour cela qu'il y a d'autres choses que Dieu ne veut pas faire jusqu'à ce que... Je vous ai parlé de Lazare. La constitution est claire. Jésus voulait que Lazare puisse mourir. C'est ça. On dit que Lazare est mort. La Bible dit que Jésus resta encore 2 jours. Après 2 jours, Jésus dit aux disciples clairement que le petit est mort. Et puis il a juste dit, je suis content parce que je n'étais pas là. Alléluia. Donc si avec ton petit cerveau, tu penses que tu vas comprendre Dieu, tu as des problèmes. Il est multisystème. Alléluia. Il est Dieu aux possibilités illimitées. Quand tu l'attends de ce côté, Dieu entre de l'autre côté. Alléluia. C'est pour cela qu'il est El Elyon. Il est le Dieu très haut. Tu ne peux pas le comparer avec ta tante, dit ton oncle. Il est Dieu. Il pose lui-même la question, avec qui vous allez me comparer? Donc quand je parle de Dieu, je ne parle pas de Dieu de Sunday School. Je ne parle pas de El Chipo. Il est El Shaddai. Il est Too Much God. Il est Dieu par lui-même. Vous savez que Dieu n'a pas besoin d'aller. Il n'a pas besoin de revenir. Il est Yahweh Shammah, éternel présent. Pendant que tu es dans des difficultés, tu appelles. Ici, c'est quel numéro? Dieu est déjà là. Alléluia. Dieu est là. Le Dieu que nous servons, il est Dieu. Allons rapidement à Romains 5, 8. Nous allons lire beaucoup parce que je sais qu'à la maison, vous ne lisez pas. Quand on vous attrape, donnez-moi rapidement Romains 5, 3. Romains chapitre 5, verset 3. Ça, c'est le verset 8. Sinon, je vais lire en anglais dans mon truc.
Bien plus, nous nous glorifions même, comment ? Des afflictions, sachant que les afflictions produisent quoi ? La persévérance, next. La persévérance, quoi ? La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, quoi ? L'espérance continue. Or, l'espérance ne fait quoi ? Ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hébreux 5, 8 à 9. Le livre d'Hébreux, ça se trouve entre le livre de Genèse et d'Apocalypse. Hébreux 5, 8. Un, deux, trois, lisons ensemble. Comment Jésus a appris l'obéissance? A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Next. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jacques 1, 2. Donc je vous donne ça directement. Quand on va décoller, on décolle une fois pour toutes. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous... Quelle façon de commencer une lettre? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas seulement de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Continuez. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Next. Mais il faut que la patience fasse quoi? Accomplisse comment? Parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits. Le mot là parfait, cela veut dire seulement mature. Et accompli sans faillir en rien. Alléluia. Donc ici, la Bible nous montre que non, les difficultés, les épreuves, ça fait partie du package. Regardez ceci. La Bible dit, Jésus a appris l'obéissance par les histoires qu'il a endurées. Pourquoi cela? Parce que quand Dieu a créé le premier Adam n'était pas né. Amen. Le premier Adam était sorti, pouf. Donc le premier Adam, il était sorti grand, déjà complet, full. Amen. Alors, quand la tentation est venue, il n'a pas su gérer cela. Il n'a pas pu résister. Alors, Jésus, on l'appelle comment? Le deuxième Adam, alléluia. Maintenant, avec le deuxième Adam, Dieu dit, non, je vais changer de tactique. Il ne va pas sortir, boum. Il doit naître. Il doit passer par le processus. Il doit endurer toutes choses afin qu'il soit mature et obéissant. Bien-aimé, c'est pour cela qu'on a des problèmes dans le corps du Christ sur les fidèles. Et le pasteur. Parce que nous sommes une génération de microwave. J'aime ça en français, micro-ondes. Nous sommes dans une génération sans foi. Les gens ne résistent plus à rien. Une petite pression seulement, ah, j'abandonne. Une petite attaque seulement, ah, je quitte. Le diable n'a même pas peur de toi. Même quand tu viens à l'église, tu cries, tu sautes, tu tournes, le diable, il sait les boutons. Talk to me, somebody. J'aime Jésus, j'adore Jésus, il est le roi. Le diable dit, ah, je vais seulement appuyer le bouton là. Et quand on prie le bouton, ta foi qui était ici,
Bien-aimé, impressionne le diable. Alléluia. Il t'attaque, il voit que non, tu es en train de te tenir. Alléluia. Et les épreuves nous font grandir. Je vous ai dit que tu ne grandis pas dans la prière. Tu ne grandis pas dans les jeûnes. Les jeûnes et les prières ne te font jamais grandir. Les jeûnes et les prières te préparent à traverser et à affronter. Nous, nous grandissons dans la tribulation. Dans les épreuves. C'est là que tes biceps spirituels commencent à grandir. Amen. Quand tu es en train de traverser, l'autre fois nous sommes arrêtés, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il est avec moi. Son bâton et sa roulette me rassure. Cela veut dire, là, Dieu ne dit pas, quand il traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, il faut construire une villa là-bas. Non, non, non. Parce que les gens construisent des châteaux dans la vallée de l'ombre de la mort, et puis non, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas là. Tu dois traverser. Yes. Alléluia. Nous traversons dans les épreuves. Nous grandissons dans les épreuves. Nous grandissons dans la tribulation. Un gars dans sa parcelle, il y avait un nid d'oiseaux. Et il observait les mouvements de l'oiseau, tout ça, tout ça. Et il y avait maintenant les œufs, c'est quoi? Œufs. Oh, les œufs. Alors, un jour, maintenant, il est venu constater qu'il y avait des mouvements à l'intérieur. Donc, le petit oiseau qui était à l'intérieur, il cherchait maintenant à sortir. Alors, tellement il était en train de faire beaucoup d'efforts, alors le gars, là, il a eu pitié. Il a trouvé l'œuf. Et l'oiseau est sorti. Ça, c'est ce que Dieu m'a appris dernièrement. Après quelques heures, il remarque que l'oiseau là ne pouvait plus utiliser ses ailes. Ses ailes n'étaient pas dures. Un jour, deux jours, il ne pouvait pas. Le troisième jour, l'oiseau est mort. You got it. Il a réussi. Il a compris. Pour vous, vous allez comprendre quand vous allez rentrer dans la maison. Le gars là, il est parti se renseigner. Il a compris qu'on lui a dit non, 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 non. C'est toi qui as tué l'oiseau. Quand l'oiseau est dans l'intérieur, en train de se battre, c'est comme ça que ses ailes prennent la force. Donc la force de ses ailes vient dans la bataille là de sortir. Et Dieu m'a appris une leçon. Il y a des gens, la meilleure façon de les aider, ce n'est pas les aider. Et laissez-moi poser. Parce que les gens qui n'aiment pas aider, ils ont trouvé la joie. Nous devons aider. Mais je vais vous montrer ce que je viens de dire après. Parce que je ne suis pas encore entré dans mon message. Je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des gens... Ok. Lisons maintenant notre texte de base. Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Cana où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph,
plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconte. Vous connaissez l'histoire. Pour gagner le temps, allez lire à la maison. Chapitre 37, chapitre 39. Amen. Ok. J'ai besoin qu'on enlève ça et ça. J'ai besoin de 6 frères. 6 frères, venez ici. J'ai besoin. Parce que si vous, les 6 frères qui vous êtes en train de venir, vous allez prêcher avec moi jusqu'à la fin. Si tu n'as pas mangé, il faut pas. Montez, montez. Simon, montez. 6. Si les frères ne bougent pas, c'est revenu. Enlevez ça aussi. Ah oui, enlevez ça. Vous avez combien? 6, hein? Ok. Si tu ne connais pas l'histoire de Joseph, vous allez suivre l'histoire, vous allez comprendre. La Bible nous parle de Joseph. Amen. Joseph a fait un rêve. Il a vu son gerbe était plus élancé que les gerbes de ses 11 frères. Alors, les gerbes de ses frères se prosternaient devant son gerbe. Il est parti les rencontrer et puis il se dit, non, mais c'est petit, qu'est-ce qu'il croit? Ok. Toi, tu es le frère de Joseph. Ok. Toi, tu es le puits. Là où on a jeté les on avait jeté Joseph. Toi, tu es les Madianites qui avaient acheté Joseph. Toi, tu es la maison de Potiphar. Toi, tu es la prison. Toi, tu es le trône. Ok? C'est ça la vie de Joseph. Donnez-moi 2 autres frères. Oh, 2 frères ou 2 sœurs. Okay. Montez. Donnez-moi 2 autres personnes. Tout. Tout le monde. Les 2 qui se sont ajoutés sur vous 2. Okay. Non, non. Le trône doit être au coin. Ça, c'est la vie de Joseph. Et cette vie de Joseph, c'est Dieu qui a placé cela comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le diable ou c'est Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu qui a planifié cette vie comme ça. Je vous ai dit que moi, bon, quand on prie en groupe pour être poli, j'ai prié, tu es l'alpha et l'oméga. Mais quand j'ai prié moi-même, je ne prie plus comme ça. J'ai prié, tu es oméga et alpha. Même si tu n'as pas compris, dit amen. Dieu peut être alpha et oméga, mais quand Dieu travaille, il travaille toujours à l'inverse. Dieu termine d'abord. C'est pour ça, si tu vois Dieu commencer quelque chose, c'est l'évidence qu'il a déjà terminé. Dieu ne travaille pas pour terminer. Dieu travaille parce qu'il a terminé. Alors, selon le plan de Dieu, Dieu avait déjà terminé Joseph et très souvent on dit que Joseph était devenu le premier ministre en Égypte. Si tu lis bien la constitution, ce n'est pas vrai. Pharaon a créé
un poste qui n'existait pas. Normalement, Joseph est devenu vice-pharaon. Acclamez le Seigneur. Pharaon dit, entre toi et moi, il n'y a que le trône. Ce n'est pas le premier ministre. Ça, c'est le scénario, le scénario que Dieu a établi. J'ai ajouté 4 personnes, n'est-ce pas? Les 4 personnes n'étaient pas dans le plan de Dieu. Les 4, les 2 autres là, c'est tes propres péchés, ta stupidité. Tu veux entrer ça dans le plan. Les 2 autres là, c'est l'ennemi. Amen. Alors regardez ceci. Quand tu commences à réaliser que tu es en train de traverser dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu pries, tu gênes, tu brutalises, tu lis, tu relises. Rien ne change. Tu fais quoi? S'il y a le péché dans ta vie, tu fais quoi? Tu te repens. Tu confesses tes péchés. Quand tu confesses tes péchés, les péchés rentrent. Non, toi tu n'es pas le péché. Alléluia. Vous me suivez. Confesse, répands-toi seulement. Pour éclairer la route. Maintenant, si rien ne marche, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tu prends l'autorité et l'ennemi. Où est l'ennemi? Quittez. Amen. Nous sommes rentrés dans le plan de Dieu. Maintenant, dans ce plan ici, tu peux gêner 168 jours. Acclamez le Seigneur. Tu peux coucher sur le ventre, sur le dos. Tu pries un seul pied comme ça, tu tournes. Rien ne va changer. Parce que c'est Dieu même qui a mis ça. Je vous ai dit, Jésus lui-même, il était venu pour sauver l'humanité, n'est-ce pas ça? Jésus savait sa mission. Mais quand Jésus a affronté la mort, Jésus a eu peur. Vous savez cela? La chair a réagi. Donc Jésus disait, Père, au ciel, il y avait beaucoup de gloire, je n'ai pas vraiment bien compris. Maintenant là, non, est-ce qu'on peut renégocier le contrat? C'est pour ça, dans le jardin de Gethsémane, j'ai dit, Père, si cela est possible, laisse passer la coupe. Mais, à l'Agdad, pas ma volonté, mais j'aime ça en anglais, nevertheless, cela veut dire, nothing is less. Père, regarde, je dis, petit, tu dois passer. Donc, tu es là, tes propres frères te vendent. Vous savez, si quelqu'un te vend, il n'y aura pas assez d'impact comme tes propres frères s'ils te vendent. Parce que le diable veut vraiment targeter que ça puisse te faire mal. Tu vas réaliser dans ta vie, tu n'as rien fait. Mais on te critique seulement. Tu peux venir, tu cherches une chaise à t'asseoir et dire, mais qu'est-ce qu'il croit? Je crois à la parole de Dieu. Laissez de nous intimider. Les frères vendent les frères aujourd'hui. Dans le ministère, n'en parlons pas. Un jour, j'ai posé la question à Dieu. Est-ce que nous sommes des serviteurs de Dieu ou nous sommes les serviteurs du diable? Chaque fois quand je voyage pour le Congo, ma femme, je crois, elle est prête à tirer mes deux oreilles. Ne mange pas. Il ne faut pas manger. Comment nous sommes des serviteurs de Dieu? En train de manger. Je pars à la toilette, je ne peux plus toucher à l'assiette. À ta vous-même. C'est
n'est pas un bon français, mais une bonne révélation. On est serviteur de Dieu ou on est serviteur du diable? Je ne vois pas Pierre aller à la toilette et puis il rentre et il trouve Paul. Pierre a peur de manger. Peut-être dans ta vie, tu es ici. Joseph n'a rien fait. Il a seulement dit ses projets. Bien aimé, tu vois ça? C'est la vie de qui? Ok. Ça, ce n'est plus la vie de Joseph. C'est peut-être ta vie. Amen. Shift. C'est la vie de ton voisin. Shift. C'est la vie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je veux dire? Donc tu ne peux pas copier. Tu as de la vie? Je me rappelle quand on était à l'école secondaire. Moi j'ai l'examen A, l'autre l'examen B. Mais tu es en train de tricher l'examen B. Tu vas échouer. Ça, ce n'est pas ta vie. Rentrez dans la vie de Joseph. Ça, nous sommes dans la vie de Joseph. Et qui a établi cela? Laissez les diables tranquilles. Si je te demandais d'envoyer un texto au diable ce soir, tu vas écrire ça où? Sous tes pieds ici. Parce que le diable est sous tes pieds. S'il veut bien lire, il va regarder comme ça. Alors quelqu'un est sous tes pieds, tu le mets au-dessus de ta tête. Tu lis, tu brutalises midi, matin, soir. Bien aimé, on a une génération, les gens qui ne connaissent pas leur père, mais ils connaissent l'ennemi. C'est ça notre difficulté. Comment tu es suspect? Comment tu connais les ennemis de ton père, tu ne connais pas ton père? Fais cette expérience. Si je vous demandais ce soir qu'on se mette debout, qu'on adore Dieu, 2 minutes c'est beaucoup. Alléluia, 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 alléluia. Mais j'ai dit combat spirituel. Ah! ça va tomber. On va entrer dans le pandémonium. On va. Les Léviathans, tout ça. C'est pour cela Dieu dit, mon peuple, à cause des démons. Mais moi dans ma version, c'est ça, c'est écrit démons. Non. À cause de quoi? Mais pourquoi vous voyez les démons partout? Pourquoi vous voyez les démons partout? Dites à ton voisin, chiffre les, laisse les démons tranquilles. Ce frère, il prend Joseph, il le met où? Dans le puits. Parce que Dieu a épargné. Vous savez, dans tous ces programmes ici, Dieu lui-même est au contrôle. Ah, il est oméga, il est alpha. Et quand on écrit la Bible, dans la Bible, que Dieu est alpha et oméga, théologiquement par là, ce n'est pas ça. On écrit comme ça pour la compréhension humaine. Parce que tu ne peux pas dire alpha et oméga, ça inclut le temps. Oh, dans Dieu, il n'y a pas le temps. Amen. Dieu, il est sur
chauffeur m'a demandé pas ça. J'ai dit, quand tu dis aimer, cela veut dire quoi? Christ, donc aimer, j'ai beaucoup réfléchi. Donc aimer, cela veut dire lui-même, lui seul. De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. De génération à génération, il est Dieu. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne serais jamais atteint. De tes yeux seulement, tu vas regarder et voir la rétribution que Dieu accorde aux méchants. Hein? Celui qui est en moi est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est à l'université, que celui qui est dans ton travail, que celui dans le monde. Nous sommes très dangereux. Vous savez, quand vous voyez, je suis très dangereux. Ton opinion sur moi, ça ne m'affecte pas. Avant de quitter Melbourne, je savais qui je suis. Quand je vais quitter France, je sais qui je suis. Mais toi seulement, si quelqu'un ne te salue pas, toute ta vie est cachée. Oh, tu as vu, quand j'ai passé, il a fait comme ça. Cela montre que tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas. Parce que quand la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est pour ça moi-même, quand j'entre dans l'avion, je sais que tout l'avion est sécurisé parce que moi, je suis là. Les gens avec des petits cerveaux, ils appellent ça de l'orgueil. Nous, nous appelons ça la confidence. Alléluia. I know who I am. Amen. Je me rappelle quand je venais d'arriver en Australie, il y avait une maman blanche qui m'aimait beaucoup. Alors, je devais rentrer pour aller me marier. La maman là, elle je ne voulais pas attendre parler d'avion, elle n'aime pas l'avion. Tout. Quand je voulais repartir en Afrique du Sud pour me marier, elle dit non, je vais venir avec toi. Mais je dis, toi, tu as peur de monter dans l'avion. Elle me dit, parce que toi, tu seras là, ça ne va pas tomber. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Dans le puits, bien aimé, Dieu t'a dit que non, l'année 2019, tu vas aller de gloire en gloire. Mais quand tu regardes, tu es de bas en bas. Est-ce que Dieu a menti? La conclusion dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est ce qu'il a dit. Bien-aimés, vous ne comprenez pas ce verset. Ce verset-là ne veut pas dire que Dieu n'aime pas mentir parce que c'est un péché. Non. Ce verset-là, tout simplement, veut dire que en Dieu, il n'y a pas la capacité de mentir. Il n'y a pas une option. Guess what? Dans les diables aussi, il n'y a pas la capacité de dire la vérité. Quelqu'un dit amen. Toute vérité dans la bouche du diable, c'est du mensonge. Même si le diable a la bonne volonté de dire la vérité, quand ça traverse ici, mensonge. Acclamez le Seigneur. Bien-aimé, même si Dieu voulait mentir, quand ça traverse seulement, vérité. Il n'y a pas cela. Moi, je ne peux pas dire ça. Dans moi, il y a la capacité de mentir, comme dans toi. Et tu mens beaucoup. Hier, tu n'étais pas à la convention. Apôtre te croise. Ma soeur, comment? Oh non, je ne me sentais pas bien. Tu étais en train de changer le channel. Tu as menti. Donc, en nous, il y a la capacité de mentir. Vous comprenez cela? En Dieu, il n'y a pas l'option de mentir. Dieu ne peut pas choisir l'option. Donc, il y a une option quelque part pour mentir. Non. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu dit you are going forward? Tu pars de l'avant, mais tu te retrouves en train de reculer. Qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a promis. Il a prophétisé. Un grand prophète qui, quand il prophétise, ça ne rate pas. 2019, mariage, je vois le mariage. Et moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis Dieu, regarde, c'est moi. Je viens très tôt pour banaler l'église, c'est moi.
Mais le programme ici, c'était un programme de 13 ans. C'était un programme de combien? De 13 ans. Bien, mais quand tu commences à expérimenter des turbulations dans ta vie, après avoir demandé pardon, chassé les démons, rien ne change, cela veut dire que tu as été enrôlé dans le nouveau curriculum. Et quand tu comprends cela, tu changes même ta façon de prier. C'est pour cela qu'il y a d'autres prières que moi je ne fais plus jamais dans ma vie. Il y a beaucoup de prières qui sont des stupidités au ciel. Wasting of time. Dans le puits. Bien, mais quand tu es dans le plan de Dieu, le diable lui-même va te conduire jusqu'à ta destination. Si tu ne me crois pas, mais lis là dans la Constitution. La Constitution dit que si les princes de ce monde savaient, ils n'allaient pas crucifier Jésus. En crucifiant Jésus, ils conduisaient Jésus à sa destination. Alléluia. C'est pour cela que nous n'avons pas peur de l'ennemi. Nous n'avons pas peur des sorciers. Nous n'avons pas peur de tous ces petits-là. Parce que nous sommes grands. Nous n'avons pas peur des occultistes. J'étais à Kin, après le service, un jeune homme est venu me voir et dit, homme de Dieu, il faut prier pour moi parce que c'est difficile de trouver un travail. Quand tu pars, on te demande tu es dans quelle loge, tout ça. Moi, j'ai dit, oh, mais quand tu pars, il faut leur dire ton loge. Alors, le petit, il était un peu choqué. Moi, j'ai dit, non, nous sommes dans le loge. Faut leur dire que non. Quand on te pose la prochaine fois, quand on te pose la question, tu fais partie de quelle loge? Tu dis que je suis dans l'ordre de Melchisedec. Alléluia! Je ne parle pas de vos Melchisedec. Je suis qui je parle que tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Bien aimé, nous sommes dans l'ordre. Et c'est l'ordre le plus ancien. Un homme de Dieu était appelé dans un tag show, vous appelez ça tag show, une émission, pour débattre avec un occultiste, un grand occultiste. Alors, l'occultiste était assis là-bas, lui ici, les journalistes ici. On introduit l'occultiste, il commence à parler, il a donné, j'ai fait partie de tel ordre, de tel ordre, de tel ordre, il a cité tous les ordres. Alors maintenant, autour de l'homme de Dieu, en fonction de lire la Constitution. Vous savez, tu vas mourir parce que tu ne connais pas la Constitution. Tu ne connais pas les articles. En force de connaître la Constitution, par les reflets, il a dit, moi je suis dans l'ordre de Melchisedec. Le sataniste, il a crié, il dit, oh, je ne peux pas débattre avec toi. Parce que l'ordre dans lequel tu es, c'est l'ordre le plus ancien. Mais les médecins ne te connaissent pas. On l'a pris dans le puits. Parce que c'est Dieu qui contrôle ta vie. Il dit, quand tu vas traverser dans l'eau, je serai avec toi. Quand tu vas traverser dans le feu, je serai avec toi. Les mers ne vont pas te submerger. Je serai avec toi. On l'a pris. On l'a vendu. Regardez ceci. C'est... vice-pharaon qui est en train d'aller à sa destinée comme un esclave. Quelqu'un dit la contradiction de Dieu. Ta vie ne reflète pas ce que Dieu t'a montré. Mais je te dis, il y aura un moment, un tout à coup. Quand j'ai pris mon ticket d'avion, dans mon ticket d'avion, c'était écrit Melbourne, Dubaï, voici Charles de Gaulle. Ok? J'étais encore chez moi dans la maison à Melbourne. Mais mon ticket disait déjà ma destinée. Vous allez comprendre quand vous allez rentrer. J'étais où? À Melbourne. Mais dans mon ticket, disait
voici charge d'école. Cela veut dire que mon ticket s'en foutait. Mon ticket s'en foutait de Weda, le temps, les embouteillages, les avions, que l'avion tombe à panne, que les pilotes soient malades. Mais mon ticket s'en foutait de tout ça. Mon ticket disait Freddy Charles de Gaulle. Alléluia. Cela dit que les tickets que Dieu a écrit sur ta vie. Ticket que Dieu a écrit pour ta vie, qu'il vente, qu'il neige, il sera en Afrique d'ici demain, je t'ai dit qu'il poussière. Bien aimé, comprends ceci, le diable ne peut jamais tuer ce que Dieu a commencé. Le diable ne le peut pas. Dans l'étiquette de Dieu dans ta vie, je m'en fous de là où tu es. Mais l'étiquette te dit seulement là où Dieu t'attend. Je vous ai dit, je crois le mercredi, Dieu, le maître, le professeur, pendant l'examen, il ne parle pas. Il est comme ça. Il t'attend ici. Dieu sait que tu vas arriver ici. Dieu ne te dit pas le comment. Même avec un seul chaussette, tu arriveras. Même avec un seul soulier, tu vas arriver. Peu importe, quelqu'un dit peu importe. Peu importe la manière dont tu vas arriver, mais tu arriveras. Tu arriveras. Donc aujourd'hui, je suis venu comme ça, je suis en train de pousser. Pousser. Bien aimé, si tu n'arrives pas à voler, cours. Si tu n'arrives pas à courir, marche. Si tu n'arrives pas à marcher, rampe. Mais tout ce que tu fais, ne t'arrête pas. S'il faut ramper, tu dois ramper. La plus grande arme de l'ennemi, c'est le découragement. Never forget that. Il ne faut jamais oublier cela. Dans les marchands, on l'amène. Dans le planning de Dieu, il y avait seulement que Potiphar qui devait acheter Joseph. Donc Dieu a stoppé tous les businessmen. Pourquoi c'était Potiphar? Parce que Potiphar, c'était celui qui était en charge de la prison où le roi mettait ses prisonniers. Donc, ça devait être que Potiphar. Cela veut dire, même si quelqu'un venait pour acheter Joseph, il allait mourir. Tu sais que Dieu peut tuer les gens seulement à cause de toi. Vous êtes habillé. Je t'ai amené notre évangile ce soir. Vous êtes habillé avec Dieu amour. Dieu peut frapper. Il dit, je donne les nations pour toi. Amen. Je donne une couche pour toi. Bien-aimé. C'est pour cela que tu es dangereux. Amen. Donc, ça devait être que Potiphar. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Parce que Dieu est au contrôle. Les galaxies, les Milky Way, la Terre, tout est sous son contrôle. Et la cause dit que Dieu soutient combien de choses? Toutes choses par sa parole puissante. Un jour, j'ai prêché en Afrique du Sud. Je leur ai dit ce que je viens de vous dire. Après le service, un jeune homme vient dire, pasteur, ah, j'ai aimé votre message, mais j'ai une question. Je dis, c'est quoi la question? Il me dit, mais toi, tu as dit que si on enlève la parole de Dieu de l'univers va tomber. Moi, je dis, oui, j'ai dit ça. Il me regarde, il dit, ça va tomber où? À
Alors moi-même, je me suis regardé, j'ai regardé les petits. J'ai dit, oh! J'ai dit, petit. Toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. Et si on enlève la parole de l'univers, everything collapse. Mais je ne sais pas où ça va tomber. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Mais je sais que ça va tomber. La chaise sur laquelle tu es assise est soutenue par la parole de Dieu. Ta vie elle-même, elle est soutenue par la parole de Dieu. Ça devait être que Potiphar. Potiphar, Joseph est ici. Joseph a commencé à prospérer. Il est devenu big boss ici. Quand j'ai médité sur cela, Dieu m'a dit, c'est à ce niveau que beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent. Tu fais 2000 euros par mois. Tu penses que Dieu est déjà arrivé. On a un problème de mentalité. C'est tu peux comparer 2000 euros par mois avec le trône. C'est ici que beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent. Joseph est devenu big boss. Il contrôle tous les biens de Potiphar. Et quand Dieu te donne un petit souffle seulement, donc que tu puisses respirer un peu, tu ne respectes plus personne. Bien-aimé, dans la vie, il faut apprendre à respecter les gens. Alléluia. Amen. Très, très important. Très, très important. Tu ne sais pas le lendemain. Tu ne sais pas. Il faut respecter les gens. C'est ici. Et les gens meurent ici. Et quand tu vas mourir, tu vas dire, non, j'ai réussi. Tu as échoué. Tu as échoué. Et c'est ici la femme de Potiphar est venue. Tu sais que quand elle a menti sur Joseph, c'était avec des preuves. Donc Joseph ne pouvait pas se défendre. Comme on a dit, on l'a attrapé la main dans le sac. Tu peux être ici, les gens racontent sur toi, tu ne peux pas te défendre. Moi, j'ai connu cela, l'apôtre est témoin. Vous savez, le diable fait que deux choses. Il ajoute, soit il enlève. Dans la vérité. J'ai travaillé quelque part dans un ministère. Quand mon temps est arrivé de partir pour être full-time dans mon ministère, ce que je fais aujourd'hui, j'ai appelé le leadership, je leur ai expliqué, nous avons causé tout ça, tout était calme, bien. Après quelques temps, maintenant, il y a eu des bruits que non, le pasteur Freddy a commencé une église. Vous savez, les gens sont bizarres. Hein? Les gens te rencontrent et disent, Pasteur Freddy, tu es le premier pasteur dans le monde qui a commencé une église et qui cache l'église. J'ai appelé le leadership, j'ai dit, suivez très bien. J'ai dit, je n'ai pas commencé une église. Je n'ai pas peur de vous dire que j'ai commencé une église. Je n'ai pas peur. Si j'ai commencé une église, je viens de vous dire. Je n'ai pas peur de vous dire que j'ai commencé une église. Vous voyez ce que j'avais dit là? Maintenant, et quand ils sont partis rapporter, ils ont dit ça, c'est maintenant comme ça. Bon, c'est à vous de juger s'ils ont ajouté ou ils ont augmenté, enlevé. Rodaïg est venu nous dire, je n'ai pas peur de vous.
Ouais, ils ont amplifié là où moi j'avais dosé. Je n'ai pas peur de vous. On arrive à Kin avec l'apôtre. Tu sens que le climat est lourd, mais tu ne comprends rien. Donc tu es la dernière personne à comprendre. Il y a un cabal contre toi. La femme de Potiphar. Donc ils ont pris ce que j'avais dit, mais moi je n'avais pas dit ça comme ça. Et c'est l'apôtre, je ne sais pas si l'apôtre avait une autre version, avec pasteur Félix qui était ici, un autre pasteur Akin. Les trois, ils m'ont dit, comme tout le monde est ici, convoquez une réunion. Moi j'ai dit, non, on est terminé, c'est mal les choses, je prends mes bagages, je rentre dans le salon. Pasteur Félix, apôtre, convoque une réunion. Comme tout le monde ici, convoque la réunion. Malgré moi, à cause de leur pression, j'ai convoqué la réunion. Mais il est là. J'ai convoqué la réunion. Mes accusateurs étaient là. Et lui, il n'était pas censé être à la réunion. Tu passais et puis tu es venu pour saluer. Il se retrouve dans la réunion. Donc Dieu voulait qu'un témoin soit là. Maintenant, on commence à parler. Les gens n'ont plus d'argument. Alors, tu sais, quand je suis rentré en Australie, c'est alors que ça m'a... Donc, je suis assis dans mon salon. C'est à ce niveau-là que ça m'a connu. Pasteur. Quand j'étais assis dans mon salon, je voyais maintenant l'image de l'autre, mon accusateur, qui était assis dans mon salon là, pour me demander de payer les billets. Quand il est venu là-bas à Kin, moi j'ai contribué dans son billet. Vous voyez comment le diable est mauvais. Et le diable va te cogner très fort. Ce qui est bizarre, quand les gens te critiquent, je ne sais pas si ça arrive à vous, mais moi ça arrive à moi, quand les gens te critiquent, ça arrive d'une manière ou d'une autre, ça va arriver à mes oreilles. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'est Dieu qui fait ça ou c'est le diable qui fait ça. La personne peut être à moins du tout. Si vous ne connaissez pas moins du tout, c'est... Parler mal de moi. D'une manière ou d'une autre, ça va arriver à mes oreilles. Alors j'ai compris. Si c'est Dieu qui fait ça, Dieu te révèle pour que tu te positionnes. Si c'est le diable te révèle pour que tu puisses avoir de la rancune. C'est à la fois utiliser la sagesse. Mais si aujourd'hui, ma soeur, je vous donne 1000 euros et vous tournez chez votre mari, c'est votre mari, vous lui dites, le frère là, il est vantard, il m'a donné 1000 euros. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quelqu'un te donne l'argent et puis tu dis, le gars là, il est vantard, il m'a donné l'argent. C'est pas normal. Tout ça, j'ai compris que c'est le plan que Dieu a tracé aussi pour moi. Donc je ne pouvais pas commencer à pleurnicher. Parce que j'ai dit cela parce qu'on faisait un appel de fonds. Quand on fait l'appel de fonds, cela veut dire que les gens réagissent sur place, n'est-ce pas? Qui donne autant, qui donne autant, qui donne autant. Et dans la salle, il y avait des gens qui avaient donné 10 000 dollars, 5 000 dollars. Mais leurs 10 000 dollars, leurs 5 000 dollars n'ont pas causé de problème. Moi, j'ai donné ce que j'ai donné parce que c'est Dieu qui m'a demandé de donner. Ce que moi, j'ai donné, ça a causé des problèmes. Oh, il a donné parce qu'il est orgueilleux. Ah. Alors, j'ai dit, si vous avez l'esprit de discernement que j'étais orgueilleux, remettez-moi l'argent là. Je vais amener ma femme à Dubaï. Bien aimé. C'était.
J'ai donné 50 000 dollars cash. Et quelqu'un, il y avait des gens qui ont donné 10 000 dollars, mais ils n'étaient pas des vantards. Seulement mes 50 000 dollars, je suis devenu vantard. Tout ça, c'était quoi? Les plans. C'est comme ça que je commence à réfléchir comme 10 000 fois avant de donner quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai réfléchi. Ok. Ici, Joseph, il avait l'opportunité de rentrer chez lui. Ici, chez Potiphar. C'est pour ça que je vous ai dit que l'histoire de l'oiseau, vous vous rappelez? La personne qui a aidé l'oiseau et puis l'oiseau ne pouvait plus voler. Parce que c'est dans les struggles, dans les tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car je vaincu le monde. C'est dans les tribulations que nous croissions. Si on avait aidé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens pour mieux les aider, il ne faut pas les aider. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas aider Joseph aussi. Si tu aidais Joseph ici, tu allais détruire le plan de Dieu. Et Dieu sera après toi. C'est ce que la leçon que Dieu m'a donnée. Joseph dans la prison. Regardez ceci. Dans l'ancien temps, pour travailler dans la maison du roi, tu dois suivre un training. N'est-ce pas? Une formation. Tu dois suivre une formation. Tu ne peux pas seulement te débarquer dans la maison du roi, tu commences à travailler. Non. Tu dois suivre un training. Regardez ceci. Le training de Joseph. Dieu a arrangé ça dans une école qui s'appelle la prison. Parce que les qui, vous appelez comment? Les deux prisonniers. Les chansons, les panettiers et les chansons devaient venir à la même école. C'est eux qui devaient maintenant traîner Joseph. Toi, tu penses que quand tu es sauvé, Dieu va te conduire toujours dans les ice cream, hein, dans les cakes. Et maman Lydie, il me dérange avec des noms bizarres des plats. Hein. Des plats. Les riz là, on avait mangé, c'est quoi? C'est quoi? Riz pilaf. Mais quand le riz là, pilaf est venu, c'était un riz normal. Mais là, stoppez de nous intimider. Ripilaf. Parce que Dieu est en train d'accomplir une œuvre dans la vie de la personne. Dieu ne veut pas que toi tu puisses t'en amener. Dieu veut que la personne puisse traverser, qu'il puisse grandir. Parce que ce qu'il attend ici, ça dépend de la formation ici. Tout ça, tout ça, tout ça. Laissez-moi vous poser cette question. Qui a envoyé Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte? Donc, talk to me. Vous avez mangé? Ok. Qui avait envoyé Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël? Dieu. Qui s'est opposé à la mission de Moïse en Égypte? Pharaon, en Dixie Pardi. Lisons Exode 4, 21. Rapidement, Exode 4, 21. Je suis en train de chiter. Exode 4, 21. J'aimerais que nous puissions lire ça tous ensemble. 1, 2, 3. Ok, je repose la même question. Qui avait envoyé Moïse en Égypte pour délivrer son peuple? Dieu. Qui s'est opposé à Moïse? Dieu. Acclamez le Seigneur. Donc, c'est vrai, avec ton petit cerveau,
Si tu penses que tu connais Dieu, il y a un message que je prêche, j'ai compris que je n'ai pas compris. C'est Dieu lui-même qui a envoyé Moïse. Comment tu es Dieu? Tu m'envoies pour faire une mission, toi-même tu sautes, tu deviens un obstacle. Et si tu connais la constitution, pendant que Moïse partait, Dieu est venu pour le tuer. Tu sais ça? Donc, l'opposition que tu es en train de connaître, ce n'est pas ta tante. Laisse ta tante tranquille. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas les liens coutumiers, si c'est familial. Non, 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 non. Après avoir lié, repenti, si ça continue, dis-toi, je suis enrôlé dans le curriculum de Yémé. Alléluia. Maintenant, ici, je crois que le pasteur a touché sur ça hier. Quand les prisonniers sont sortis, Joseph est resté. Je dis, comme vous êtes en train de partir là, souvenez-vous de moi. Dieu a fait qu'il a, il a dilité leur cerveau. Donc, Dieu a fait là, quoi? Blanchissement du cerveau. C'est pour ça que je dis, ah, même lui, je l'avais aidé. Tu dis, non, non, non. Maintenant, le temps, c'est de graduer. Tu dois graduer. Dieu, c'est un Dieu de processus. Vous savez, Dieu a toute la capacité de te prendre ici. Joseph, il t'amène directement ici pour dans le trône. Laissez-moi supposer. S'il t'arrivait dans ta vie d'expérimenter la bénédiction, les choses, et que tu n'as rien fait, sache-le que quelqu'un a payé le prix avant toi. Sache-le. Même ton grand-grand-père que tu n'as jamais connu, il avait payé le prix. Rentre là-bas. Joseph, ici, la Bible dit, à l'âge de 30 ans, Joseph se tient devant Pharaon. Un programme de 13 ans. Donc c'est Dieu lui qui a suscité les obstacles. Dieu crée les obstacles pour se révéler. Si tu ne me crois pas, c'est Dieu qui a suscité Goliath. Dieu dit ceci à Moïse. Tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, ils m'ont connu sous le nom de El Shaddai. Mais avec toi, je me révèle sous le nom de Yahweh. Toute révélation dans la Constitution, c'est Dieu qui a créé quelque chose. Abraham, amène le petit à la montagne. C'est Dieu qui crée. Sacrifie-le. Il veut sacrifier. Dieu révèle une autre dimension. Yahweh Jaya, qui veut dire, c'est le Dieu qui voit et il pourvoit. Goliath, toute sa vie, il a été préparé pour Goliath et pour David. On est about chouki, hein? Donc Goliath, pendant qu'il était bébé, il mange les biberons, la bouillie, tout ça, pour David. Pour David. Donc toute la vie de Goliath, c'était pour David. Donc quand Dieu veut te promettre, Dieu va susciter un obstacle. C'est pour cela, les obstacles, il ne faut pas considérer ça comme les ennemis. Considère ça comme des escaliers. Yes.
C'est pour ça qu'il dit, nous nous réjouissons dans la tribulation. Parce que la tribulation produit la patience. Joseph dans le trône. Assis. Fils. Pharaon. Mais il a enduré ceci. Le problème maintenant, quand toi tu viens, tu trouves Joseph sur le trône, tu commences à envier Joseph. Tu ne sais pas ce que Joseph a enduré dans sa vie. C'est pour cela qu'il se faisait dire, si tu aimes ma veste, aime aussi tout le trouble que j'ai traversé pour avoir cette veste. Tu vois seulement la gloire et tu commences la troisième guerre mondiale. Et quand tu vois Joseph en train de témoigner, ah, il est orgueillé. Ah, tu as entendu par sa Douglas, il va maintenant chercher une salle de 600 personnes. Ah, il est orgueillé. Laissez-nous tranquille. Tu ne sais pas d'où nous venons. Si tu ne connais pas, en anglais on dit no pain, no gain. Je ne sais pas comment dire ça en français. No pain, no gain. C'est pour ça que quand tu vois les gens en train de louer, de pleurer, tu ne sais pas. Tu ne sais pas d'où la personne vient. Tu ne sais pas ce que la personne a enduré. Tu ne sais pas combien de prix de rivières qu'il a traversé. Tu ne sais pas. Tu viens seulement juger la personne. Et regardez ceci. Quand il était ici, maintenant c'est alors que tu vas comprendre le verset qui dit ceci. Tout concourt. Au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ce dessein. Cela veut dire quoi? Quand le temps de Dieu, le kairos arrive, quand le kairos arrive, Dieu va prendre toutes ces choses. Dieu. Alléluia. Lève-toi et acclame le Seigneur. Merci, merci. Bien-aimé, ce que Dieu t'a promis là, Dieu, la manière dont Dieu travaille, Dieu ne veut pas l'accomplir. Dieu a déjà accompli. C'est question seulement des processus. Tu dois marcher dans le processus. Tu dois marcher. Je sais que c'est dur, mais marche. Je sais que ça paraît impossible, mais continue à marcher. Je sais que non, tu dis que non, en tout cas, je ne vois pas clair. Mais je te dis, il y a la lumière quelque part. La lumière est quelque part. Bien-aimé, quand il y a des nuages, cela ne fasse pas le soleil. Le soleil est toujours là. Quand bien même tu ne vois pas le soleil de la justice est toujours là. D'ailleurs, c'est cet nuage qui va se transformer à la pluie. Bien-aimé, c'est encore possible. Tu vas enfanter ton miracle. Tu vas avoir ton bébé. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Alléluia. Commence à prier. Élève ta voix. Alléluia. Rebaka. Mako Sheke. Reka Shaka. Emaka. Reka Shakata. Mando Koshaka. Reka Shakata. Yekaraba Shakata. Yendabako Sheketa. Rekeshikamando. Rekata Rakata Raba. Yendakaraba Shakata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Élève ta voix, élève ta voix.
Élève ta voix. Élève ta voix, prie. Il y a une très grande onction dans la salle. Reba Kacheke. Pousse ton enfant. Pousse ton enfant. Alléluia. 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 Makasha karaba. Eh ya karabaka. Mando ko shaka mando. Rebaka rebeke shika. Reke inda bakashaka. Manda karabaka shekete. Makarabaka rabashaka. Inda bakaraba shekete. Inda karaba shekete. Nos têtes baissées, nos yeux fermés. Il y a une très forte présence de Dieu en ces lieux. Bien-aimé, Dieu t'appelle ce soir. Aujourd'hui, c'est le jour de ton rendez-vous. Dieu t'aime tellement. Il a fait que tu sois en ce lieu. Je ne parle pas le fait d'aller à l'église ce soir. Mais je suis en train de parler de la communion. Une relation avec ton Créateur. Je voulais prier maintenant. Et j'aimerais savoir avec qui je suis en train de prier. Si tu me dis, homme de Dieu, je ne suis pas en paix avec Dieu. Je ne suis pas en ordre. Jésus n'est pas le maître de ma vie. Nous pouvons fixer ça ce soir. Ce soir, pas demain, ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Si tu veux que je puisse t'inclure dans ma prière, n'écoute pas ta tête, écoute ton cœur. Dieu t'appelle, ma soeur. Dieu t'appelle, mon frère. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Je sais que tu es là. Tu n'es pas ici par accident. Tu es venu parce que Dieu t'a appelé. Si tu veux faire la paix avec Dieu, donne ta vie à Jésus. Au nom de Jésus, lève ta main. Je vais prier pour toi. Merci. Merci, j'ai vu la main. Merci, 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 j'ai vu la main. Merci. Si tu n'as pas encore levé la main, c'est ta main que Dieu est en train d'attendre. Lève ta main. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pas demain, pas demain, pas demain, c'est aujourd'hui. Merci, merci, j'ai vu la main, j'ai vu la main, j'ai vu la main. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous qui avez levé la main, mon frère, ma soeur, si vous êtes vraiment sérieux, venez ici, je vais prier pour vous. Viens. Acclamez pendant qu'ils sont en train d'avancer. Ma soeur, venez. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'avais pas levé la main, mais tu sais que tu dois être ici. Viens. Dieu t'appelle. Ce n'est pas un homme qui t'appelle, c'est Dieu. Alléluia. Makota Rabashekete. Alléluia. 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 Merci. Bien-aimés, si j'ai fait 22 heures de vol juste pour vous deux, je suis un homme heureux. La Constitution dit qu'il y a beaucoup plus de joie quand une seule âme donne, rentre à la maison. Ici, c'est plus qu'une âme. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Bien-aimés, moi, je ne peux pas vous sauver.
Aucune église peut sauver, aucun pape ne peut sauver. Seulement Jésus peut sauver. Ça, c'est la grande décision de la vie. Nous allons prier. Église, aidez les bien-aimés à prier. Priez aussi après moi à haute voix. Prions, disons, Seigneur Jésus. Ne prie pas parce que moi je vous demande de prier, mais priez parce que vous avez cru dans votre cœur. Seigneur Jésus, je te dis merci. Car j'ai entendu ta voix. Mais voici, j'ai répondu. Pardonne mes péchés et pardonne toutes mes iniquités. Aujourd'hui, je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître. Satan, j'ai dit non, j'appartiens à Jésus. Aujourd'hui, ma vie est sauvée. Au nom de Jésus, restez quand j'ai prié pour vous. Seigneur, touche. Au nom de Jésus, touche. Rabakashek, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Mais il faut prendre leurs détails, tout ça. Ok, on n'a pas assez de temps. Vous avez besoin d'une prière maintenant, venez rapidement. Venez rapidement. On doit libérer toute l'onction ce soir. Venez, venez, venez. Donnez-moi la sœur là. Viens. Que sa présence en moi devienne réelle. Alléluia. Alléluia. La dimension de ton Jésus, Saint-Esprit, ma servie, maman pilote. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Levez les mains, vous qui êtes venus. Commencez déjà à voir le résultat final. Voyez cela, voyez cela, voyez cela. Il y a une très forte onction en ce lieu. Voyez cela. Et l'église, nous prions, nous ne sommes pas des spectateurs. Entrez dans la prière. Entrez dans la prière. Yeka mandoko. Rabaka shaka. Mandoko shakata. Yeka raka. Now in Jesus' name.
Jésus. Je lave la dimension du toucher. Lève nos mains. Que tout le monde lève les mains. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Touche ma vie. Que ton onction détruise le joug. Que ton onction enlève le fardeau. Dans ma vie, maintenant, Esprit de Dieu, je t'appartiens. Esprit de Dieu, me voici. Que ton vent souffle maintenant dans ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, élève ta voix, maintenant commence à louer. Au nom de Jésus, que le vent souffle en ce lieu. Au nom de Jésus. Et Kamandoko, Rabakashaka. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia.